Je vous fais un petit coucou en direct de ma marche matinale et je vous ai mis comme titre « La joie d'être bien reposée ». Regardez mon décor ce matin. Je me lève le matin, je m'en vais prendre une marche dans la forêt. Ça fait vraiment du bien. Et j'ai le goût de vous faire partager vraiment ce petit décor-là ce matin. Mais ce que j'ai le goût de vous partager aussi, c'est que quand on veut être reposé, il y a ben des façons de le faire, mais... C'est certain que fermer les écrans, on dit le soir, plus qu'on regarde les lumières bleues, comme on dit, de nos ordinateurs et téléphones, que ça a un impact parce qu'on a besoin de mélatonine pour s'aider à s'endormir. Donc, tout ce qui est lumière nous empêche de bien relaxer. Mais être capable de profiter de nos journées. Je serais curieuse de voir parmi vous autres, vous m'avez entendu un petit peu dernièrement vous parler de ce sujet-là. Est-ce que vous vous réveillez totalement reposé, insuffisamment reposé ou pas reposé du tout? Alors, pour en arriver à profiter de nos journées, oui, c'est important d'aller... Bonjour tout le monde, c'est plaisant de vous voir, les petits cœurs, les petits mots aussi. C'est important d'être capable de profiter de l'instant présent, d'avoir une bonne énergie physique, mentale et émotionnelle. Il y a bien des gens qui ont de la difficulté avec ça et on sait avec la crise actuelle, c'est encore pire. 75% des gens manquent de sommeil actuellement, surtout en milieu urbain. C'est certain que je suis privilégiée. Moi, je vis dans le bois, j'ai avec mon chum, on a la chance d'avoir ce beau côté-là de la nature à tous les jours. Mais une chose qui est sûre, on peut ne pas perdre notre vraie nature, rester connecté avec en soi-même, et c'est ce qui est le plus important ces temps-ci, rester centré, être à l'attention de comment est mon énergie physique, mentale, spirituelle même et émotionnelle pour éviter de se perdre de vue. Je serais curieuse de voir sous la vidéo, c'est quoi vos petits trucs à vous autres pour être capable de bien dormir? Est-ce que c'est de prendre des respirations profondes? Est-ce que c'est d'être en conscience de votre corps? Il y en a qui vont compter les moutons, là, mais un petit truc, moi, que j'avais. J'ai pas fondamentalement de problème de sommeil, mais je vais vous parler dans quelques instants comment je dors encore mieux et que je récupère encore plus et que mon énergie est largement décuplée. Mais il y en a qui vont compter à reculons, 99, 98, 97... C'est excellent aussi pour calmer le mental. Donc, si ça vous touche d'avoir des difficultés au niveau du sommeil, vous n'avez peut-être pas accès à la nature comme moi j'ai accès, alors je vous invite à aller voir le lien sur lynnebolduc.com Neurospa. J'ai des commentaires de plus en plus éloquents. Je cherchais une façon d'aider les gens à être de plus en plus. Je vais juste changer de main parce que j'ai pas mes gants et que ça commence à être frisqué ce matin à moins 5 degrés dans notre beau Québec légèrement enneigé. Alors, si vous allez sur lynnebolduc.com, dans le haut, vous allez voir Neurospa. Je cherchais depuis longtemps quelque chose pour aider les gens à mieux dormir, à être plus en forme, à avoir une meilleure énergie, au-delà de tout ce que je partage en formation, coaching et compagnie. Et j'ai trouvé une petite trouvaille, je suis sans mots. Neurospa ont découvert, mis en place, si on veut, une technologie qu'on met en dessous de notre matelas et qui fait en sorte que tout notre matelas va venir vibrer et aider à calmer le mental, aider à mieux dormir. Il y a différentes programmations, si on veut, qui viennent avec ça, dans la petite manette, qu'on peut s'aider au niveau de l'endormissement, c'est un mot ça? À bien s'endormir le soir, calmer le mental. On peut laisser rouler un autre programme toute la nuit, tout en douceur, qui vient détendre les muscles, relâcher la fatigue accumulée. C'est juste extraordinaire. Mon chum et moi, ça ne sortirait plus de la maison, cet appareil-là. On va voir le matin le lever du soleil qu'on appelle, qui est avant de... Moi, je me réveille souvent naturellement sur un 30-40 minutes avant de me lever habituellement. Je pars ça. Et ce que ça fait, c'est que ça vient continuer de relâcher la fatigue accumulée. Ce programme-là, ça vient nous aider vraiment à partir notre journée avec une énergie décuplée. Dans la journée, je vais avoir aussi ce que moi, j'expérimente beaucoup puis que je m'aperçois que les gens qui l'ont à la maison sont de plus en plus... Waouh, avec ça, la sieste énergisante. On a une de 5 minutes, de 15 minutes, entre deux périodes de télétravail, par exemple, au retour du bureau. C'est extraordinaire comment est-ce ça calme le physique, le mental, ça nous énergise en deux temps, trois mouvements. Alors, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça peut faire du bien. Mais l'important, au quotidien, oui, c'est donner des moyens. Si 75% des gens manquent de sommeil puis ne font rien, ben je voyais une recherche qui avait sorti dans le Figaro en Europe et qui disait que ça augmente les difficultés émotionnelles de 60 %.
Alors, faut éviter de se laisser aller à notre perte. Moi, je l'ai vécu, c'est pas pour rien que je vous parle de ça. Ceux qui me suivaient depuis longtemps, vous savez qu'il y a 25-30 ans à peu près, je me suis effondrée parce que j'ai pas écouté mes signaux. Alors, ce matin, c'est une invitation à connecter à votre vraie nature, à oser vous choisir avec bienveillance, comme je vous dis souvent, être déloyal à ce qui ne vous est plus utile pour aller vers de nouvelles façons d'être et de faire et à profiter de la nature dans son meilleur et de passer une journée extraordinaire. Alors, vous êtes nombreux ce matin à être en direct. Merci beaucoup. Alors, je serais curieuse de voir sous la vidéo, que ferez-vous pour penser à vous aujourd'hui, être dans la bienveillance, vous choisir et qu'est-ce que vous pourriez oser de faire différemment pour mieux dormir? Allez voir lynnebaldire.com, section NeuroSpa. Vous pouvez louer cet appareil-là pendant 2 semaines pour l'essayer à la maison, en faire l'expérience et avoir par vous-même les résultats concluants. Et si vous décidez de le garder après, ce sera possible aussi. Mais je vous ai vraiment concocté quelque chose avec NeuroSpa qui fait une différence dans la vie des gens et que je me dis tôt ou tard, peut-être qu'une majorité de foyers auront à la maison tellement que ça fait une différence. Autant pour les enfants, femmes, hommes, peu importe notre métier, peu importe notre âge, c'est juste extraordinaire. Bonne journée, les amis. Je continue ma marche. Bye bye.